Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Plaisir C'est pour aussi. cette première émission, c'est un peu spécial. D'habitude, on te croise souvent, on te filme souvent avec des vidéos techniques, trop techniques, soit dans les galas, soit à la salle. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale avec toi, une journée avec David Papo. Ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît, David. Ouais, à peu près. Depuis tes premiers combats amateurs, quelques combats amateurs, parce qu'après, tu es passé pro direct avec le Ouais, je boxing. suis passé pro au bout de 2-3 ans. Ouais. Mais pour ceux qui ne connaissent pas David, c'est qui David? Présentation un peu plus humaine, on va Bah, dire, ton parcours. quelqu'un de normal, voilà, j'ai commencé la boxe à l'âge de 5 ans. J'ai pratiqué le full contact jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, je me suis orienté vers la boxe anglaise à l'UMP Box. J'ai fait 4 ans là-bas et après j'ai été au boxing en 2009. Donc voilà, j'ai fait des études au lycée Brosseau à Saint-Nazaire. Et j'ai fait un bac pro technicien d'usinage. Et après, j'ai arrêté pour m'orienter dans le domaine professionnel où j'ai commencé à travailler à la mairie de Saint-Nazaire pendant 3 années. Maintenant, voilà, j'ai pris un peu on va dire, de repos pour préparer le championnat de France qui arrive le 31 mars. Et on verra après comment tout ça se déroule. Première fois quand tu as commencé la boxe, c'était où, comment? Première fois. La toute première fois, c'était bah, Chez à Tano? Trignac, ouais, chez Loïc? Mitano. Je suis arrivé, j'avais ouais, 4 ans et demi, 5 ans. Un petit coucou à Loïc, J'étais jeune un grand entraîneur. et j'ai pleuré, je suis reparti direct. Premier cours, Ouais, à cause de je suis quoi? arrivé, je sais pas, je suis arrivé, c'était mes sœurs qui m'emmenaient. Je suis arrivé, j'ai pleuré, je suis reparti. Ah d'accord, ah ouais, Voilà, je suis d'accord. reparti, on est revenu T'avais quel âge, tu m'as dit? 5 ans. 5 ans, Ouais, à peut-être peu c'est près. l'âge aussi, c'est Ouais, l'âge. j'étais impressionné un peu, il y a du monde et tout. Même Loïc, il était impressionnant. Donc voilà, et je suis revenu 2 jours après. J'ai ce côté un peu dur dans la boxe grâce à lui, on va dire. Sûrement, c'est Mais le premier entraîneur, il influence un c'est peu le vrai qu'il caractère. était. Après, à l'âge de 14 ans, j'ai testé à l'UMP, étant donné que c'était juste à côté de chez moi, tu vois. Donc j'ai fait, voilà, j'ai testé. J'ai Boxe fait, anglaise, c'est... voilà, boxe anglaise à l'UMP avec Laurent Sangan et Stéphane Thébault. C'était beaucoup Stéphane Thébault qui m'entraînait. D'accord. Du coup, j'ai fait une première année KD1 et je perds en finale des championnats régionaux. Et à la fin du combat, Stéphane, il vient me voir. Moi, j'étais pas trop chaud pour continuer, on va dire. Voilà, mais je m'étais à moitié fait voler et tout. Donc, il me dit, si tu continues vraiment, tu t'entraînes, l'année prochaine, tu seras champion de France. Il te l'a dit comme Il me l'a ça. dit clairement, Et direct. tu l'étais. Et Et l'année t'as d'après, je été. suis champion de France cadet, direct. Et après, voilà, j'ai enchaîné les stages avec l'équipe de France. Et voilà, c'est vraiment le départ en boxe anglaise. Donc, ouais, 21-22 ans, j'ai décidé de passer pro. J'avais fait le tour, donc voilà. Étant donné que Saint-Nazaire, c'était vraiment une ville où voilà, la boxe. Pourquoi tu as choisi le boxing, la team Caso? Parce que dans le coin, c'était on va dire, le meilleur club. Les plus gros galas se déroulaient à la soucoupe avec le boxing nazérien. Et ouais, je pense qu'il y a un tout qui a fait que, voilà, je pense que c'était le meilleur endroit pour passer professionnel avec 3-4 réunions par an. Pour les débuts, c'était parfait, quoi. Ça se passe bien jusqu'à maintenant? Ouais, impeccable. Très bien. Les galas prennent de l'ampleur, vraiment, avec T'as mon combien de pro. camps maintenant? 17? 18. 18 18 combats combats, pro, ouais. 18 18 victoires. victoires, ouais. Et maintenant, avec Gérard Tesseron, il fait des grosses réunions à la soucoupe, donc il y a du monde, quoi. Parfait. C'est cool. Sponsor, t'en as des sponsors déjà? Ouais, T'as combien? j'en ai 3-4, on va dire, vraiment. C'est qui les sponsors? J'ai Leclerc, déjà, Là? Leclerc de Saint-Nazaire. J'ai Presqu'île Multi-Nettoyage, Ouais. sur la Presqu'île Garandaise. Et j'ai aussi Sportcom, Sportcom, avec Jean-René Jean-René Savary. Savary, C'est notre bien, ami c'est bien. Jean-René, Tu voilà. cherches les sponsors? Ouais, je fais beaucoup de démarches, là, T'arrives depuis. à faire l'entraînement, management, chercher des sponsors? Maintenant que j'ai arrêté un peu le boulot, j'essaye de faire les deux, quoi. Maintenant, là, les 2 derniers mois, je vais plus m'axer sur la préparation, quoi. Mais Ok. après, ouais, après le championnat de France, ben là, je vais vraiment. Si je suis champion de France,
J'aurais au moins, j'aurais un, on va dire, un petit palmarès pour parler avec les sponsors, quoi. Du coup, le programme aujourd'hui, David, c'est quoi? Bah là, on va dire, je suis blessé un peu au biceps, donc Comme par hasard. voilà, ça m'est arrivé il y a 2 jours en mise de gants. Donc je vais faire un peu de renfo, mais tranquillement. Et vraiment Puis on après, enchaîne pour la piste, tout la à l'heure. piste. On va Voilà. faire un petit tour au quartier peut-être aussi Ouais, dans l'après-midi, pour ouais, voir un s'il y peu a un où peu de peut-être t'as monde. grandi ou Ouais, ou s'il n'y a pas voilà. des gens, c'est pas grave, on fait un petit tour voir un peu le Oh, c'est quartier. les vacances, il y aura peut-être un peu de monde. Ouais, Et après on passe puis, à se poser quelque part. Tu veux voilà. choisir l'endroit où se poser encore, petite discussion après sur d'autres sujets. Et puis après, on Et le finit à la soir à la salle. salle. Ok, Ok. pas de problème. Merci mon David. David Papou, il se prépare à fond là. Ouais, on prépare à fond là au mois de janvier. C'était surtout une préparation physique, musculation, prise de masse parce que il monte de catégorie. Donc voilà. Donc il a fait un bon mois janvier avec son préparateur physique. Et donc là, on attaque maintenant les spécifiques. Ouais, petite séance de 200 mètres. Court mais intense, donc voilà, c'était bien. C'est là que tu es né, C'est là que David. je suis né, c'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai passé mes 25 ans. Depuis 25 ans, je suis là. Et c'est là même que, dans ce gymnase-là, que j'ai commencé la boxe anglaise. D'accord, À ici. l'UMP, voilà, juste là. Et tu joues du foot avec eux de temps en Ouais, de temps? temps en temps, ça m'arrive de jouer. Là. De temps en temps, pour s'amuser, quand j'ai pas trop, on va dire, j'ai pas un combat de prévu pas trop loin, quoi, bah voilà, je peux permettre de jouer un peu avec eux. Là, t'es déménagé, t'es plus là, mais tu reviens toujours aux Ouais, gens. je reviens, mais ma famille habite ici, mes parents habitent là. Donc j'essaye de venir, peut-être pas tous les jours, mais je reviens tous les 2 jours à peu près. Donc voilà, je vois encore tous mes potes, tout ça. Je vois de temps en temps les petits du quartier. T'as pas changé, t'as On pas changé change de pas, on pote? change pas. C'est bien, c'est bien. Je les vois souvent avec toi, tes amis. Ouais, pendant les galas de boxe, il y a toujours mes supporters qui sont là. On essaye de se voir un peu le week-end, on se voit pour les matchs de foot. Et t'arrives parce que quand on est un boxeur professionnel, travail, famille, Ouais, t'arrives à garder les. c'est Entretenir tes compliqué. amis, Non, toujours t'as rôle. c'est compliqué quand même parce que voilà, j'ai une copine, j'ai une vie de famille aussi, tout ça. J'ai les entraînements, 2-3 entraînements par jour, c'est compliqué, mais voilà, faut pas oublier les amis, faut pas oublier sa famille, faut essayer de rien négliger, mais c'est pas facile, on va dire. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Iliès, je suis un ami à David. David c'est un bosseur. Je pense qu'il est rendu là parce qu'il travaille. Il travaille bien. Il se prive de beaucoup de choses. Moi j'espère qu'il va gagner le championnat. Il va gagner la finale. Je serai heureux pour lui. Il mérite que ça. Il fait beaucoup d'efforts. Dans la vraie vie, c'est un bon gars. Il est simple, il est humble, quoi. Il prend pas les gens de haut. Et voilà, c'est pour ça que je l'aime bien, moi. C'est une personne que j'admire. C'est un bon gars, respectueux. Dans les gens, il respecte tout le monde. Ouais, je monte de catégorie. Bon après c'est pas à cause, on va dire, c'est pas à cause du poids, vraiment c'est pour participer, pour faire le championnat de France, on va dire. Parce que j'étais bloqué en super welter avec le champion de France actuel, voilà, c'est compliqué un peu. Donc je voulais boxer avec un objectif, vraiment faire un titre.
Maintenant j'ai 18 combats, j'en ai marre de faire des petits galas comme ci, comme ça. Ça se passe bien avec tes parents, David ? Ouais, enfin, avec... Ça se passe bien, tu sais, maintenant t'es occupé. Ouais, non, franchement, ça va très très bien, mais voilà, je vois mes parents, on va dire, presque tous les jours. Ah d'accord, tous les jours. J'essaye de passer, j'essaye de passer chez mes parents, ouais, au moins, on va dire, tous les deux jours. Une fois c'est tous bien, les deux jours. Ou, t'as un fils unique, non ? Non, j'ai deux grandes sœurs. Après, voilà, mes parents me suivent depuis que j'ai commencé à la boxe, vraiment. C'est les premiers supporters. Voilà, c'est mes premiers supporters. Ils ont toujours cru en moi. Et puis, même si ma mère, à mon avis, elle a peur vraiment quand je boxe, c'est normal. Hein, voilà, ouais, c'est maintenant où je suis content, c'est que j'ai une boxe, je prends pas énormément de coups. Ouais, donc ça va, contrairement à d'autres boxeurs. Voilà, ça serait. Ouais, voilà. Donc, j'essaye de prendre le minimum de coups pour eux pour pas trop que voilà qu'ils souffrent et puis ton leur fils, faire peur. Qu'il fasse la boxe un jour, franchement fils. J'espère qu'il fera pas de boxe, c'est vrai, c'est bizarre, tout le monde, hein, tout le monde, j'espère pas quand franchement on parle des boxe. Mais finalement à un moment donné t'as tendance à l'entraîner et il s'engraine, voilà, c'est pour ça que moi j'ai franchement bon, pourtant la boxe t'a aidé, pourquoi tu veux pas que ça m'a aidé, mais c'est un sport très très dur. C'est un sport très très dur avec plein de sacrifices. Je trouve qu'il a après le sport de haut niveau, tous les sports de haut niveau ont un sacrifice. Mais la boxe, c'est vraiment dur. Franchement. Quand je sors quelque part, on parle de boxe. Quand je vais faire un repas avec des gens, on me parle de boxe. Ouais, mange pas trop, tu vas être trop lourd, nanana, demain tu vas aller. C'est compliqué. Mais après c'est un peu moi qui le veux. Hein, voilà, c'est. Si je voulais pas ça, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc c'est moi. C'est. On me connaît à Saint-Nazaire par rapport à la boxe. Donc maintenant c'est. Faut faire avec, voilà. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que c'est chiant. Ta copine, alors la boxe, la relation. Ah, c'est dur, hein, franchement, à mon avis. Moi, après, je suis de l'extérieur, je vois pas trop ce qu'elle subit, on va dire. Ouais. Mais à mon avis, ça doit être compliqué. Avant un combat, tu dois bien le savoir, on n'est pas tout le temps de bonne humeur. Voilà, on boxe. Stress, un jour, tout va bien, le lendemain, tout va mal. T'as des problèmes de poids, t'as faim, t'es pas content, t'es énervé, donc franchement ça doit pas être facile. Ce matin je t'ai appelé, tu m'as dit oui, bah alors je cherche cadeau ma femme, le cadeau. Ouais, c'est la Saint-Valentin, donc on est obligé, hein, il faut faire plaisir t'avais aussi. L'entraînement, t'avais la ouais, mais on essaye de. Le tournage entre temps, tu m'as dit je prends le cadeau. Voilà, ouais, j'ai. Ça fait plaisir, tu vois. C'est ouais, il faut quand même, parce qu'elle me le rend quand même. Voilà, elle me fait à manger des fois. Elle mange comme moi alors que je suis en plein régime et tout. Non, franchement, c'est pour, à mon avis, hein, chaque femme de boxeur, c'est très très compliqué. Du coup, tu dois ramener la ceinture, mon gars. Ouais, c'est voilà, obligé. C'est la récompense. Non, ça sera pas ma première, mais ça sera une des plus belles, à mon avis. Ouais. Ceinture de champion de France. Tout le monde rêve, quand tu passes professionnel, d'être champion de France, je pense. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je m'étais fixé en tout premier, voilà, être champion de France. Je pense que le plus beau film, c'est La Ligne Verte. D'accord, okay. Très 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 beau film. Franchement, il ressemble un peu à tes valeurs peut-être, c'est quoi qui t'a. Non, même pas, mais voilà, je pense que sur 100 Français, il y a au moins la moitié qui dirait ce film, je pense. Hein. C'est vraiment un très très beau film. Et ouais, je sais pas, j'ai tout le contexte et tout, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est quoi ton style artistique, David, musical? T'écoutes quoi comme son? Un peu de tout maintenant, en plus rap R&B quand même. Mais, rap R&B. Mais sinon, ouais, un peu de tout. Franchement, je suis ouvert d'esprit, donc je suis pas focalisé sur quelque chose. Un groupe, allez, t'as pas un groupe, un chanteur, un artiste? Allez, bon, on va te dire là, il y a ces dernières années, c'était Section d'Assaut, Psychiatre de la Rime, un truc comme ça, voilà. Section d'Assaut, ok. Ce qui était les. Voilà, les.
Mais l'ancienne section d'assaut, pas les musiques de maintenant. Là. Quoi, maintenant c'est plus showbiz maintenant? Ouais, c'est vraiment commercial et tout. Commercial, là. Ok. À l'époque où ils sont vraiment sortis, là. Voilà. Voilà. Après, c'est une évolution naturelle. Après, voilà, c'est comme ça. Ils doivent plaire à tout le monde. Ouais, exactement. Mais à l'époque, c'était, ouais, on va dire, il y a 5-6 ans, c'était vraiment eux que j'aimais bien. Ouais. Allez, on va dire acteur. Jason Statham. D'accord, ok. Voilà, je pense. Boxeur français que tu t'aimes bien ou t'apprécies bien. Boxeur français. Niveau performance que tu. En ce moment. C'est David Papo. J'étais quoi. Non, mais on va dire ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, Tony Yoka. Tony Yoka. Voilà. Okay. Franchement, je connais la personne, je connais ses qualités. Et voilà, il a fait champion du monde amateur. Il arrive aux Jeux Olympiques en étant champion du monde. Tout le monde, comme on dit, tout le monde veut sa peau. Bam, il devient champion olympique. Non, franchement, pour le moment, il n'y a rien à dire sur lui. Allez, dernier mot, David, pour finir notre reportage. Bah, comme je te dis tout le temps, un grand merci à toi, Badr. Toujours merci à toi, à mes sponsors, mes partenaires, tous ceux qui me suivent. Et puis surtout à la ville de Saint-Nazaire. Toute la population qui suit la boxe. Et à mon avis, je vous dis rendez-vous au 31 mars. Ça va être un gros combat. Yes, voilà, on a passé une très bonne journée avec toi, David. Ouais, moi aussi. Il y aura d'autres émissions sûrement pour suivre un petit peu ton parcours. Comme on pas a commencé problème. La première fois, on continuera. On okay. va varier un petit peu, on va changer les lieux, on va changer le cadre. Ouais, ouais. Et pour t'approcher le maximum au public de Saint-Nazaire et surtout d'ailleurs. Ok, pas merci de problème. Merci, David. Et voilà, okay. Comme on dit en français, en argot, je dis pas bon chance, je dis. Merde, hein. Voilà.